Vendredi 13 juillet 2018, Madame Cissé Assitan Traoré, épouse de l'honorable Soumaïla Cissé, a rencontré les membres de l'association malienne pour la protection des albinos. C'était au cours d'une cérémonie pleine d'émotions au quartier de Fadjigla en commune 1 de Bamako. Lors de cette cérémonie, Madame Maïga Aminata Traoré, présidente de l'association, a livré un témoignage émouvant sur la situation des albinos au Mali. Madame Cissé Assitan Traoré et sa délégation ont tenu à rassurer les membres de l'association sur le fait que leurs préoccupations sont toutes prises en compte dans le programme du candidat Soumaïla Cissé. Confiant en l'avenir, les jeunes de l'association malienne pour la protection des albinos se sont engagés eux aussi à restaurer l'espoir. Bon, en association d'Emsenne, en activité au lancé 2016, un objectif de que le lien d'entente et fait consolider et albinos ou n'importe qui, albinos ou somoro, anisig n'importe qui. Parce que en albinos ou galère à falloir manquer, en rejeter nos populations fait. Parce que quand ça va vous gagner, il fait gagner. Jamais mis bas en un coup parce qu'un il fait gagner. Donc, en ligne il faut leur dire à falloir amour, falloir n'importe quoi. Albinos y a ni fouille, aninka demain il n'inka dimoué, fait vert. Ko ta fan fera la passe an ayeta ka fere ame gere partenaire ou la ka demsenu fara no koma era nyabe demsenu na tukomna pour que ko se ka ver sans adumo ko se ka kalanke voilà donc ame ko chaman chaman ke a chena ajaranye oluka wuli ka lanyini e kana an laje ajaranye ko sobe depuis ko damne na mochima a foko ame na wuli ka tanunu laje nunu munumbe no ni gele abuka ne aller de boya kono bor asemu akono koro kana on la je tiere la ajaran yo kuma era taunda tellement ajaran.